Donc, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième après-cours de la communauté de formation à distance. Pour ceux qui sont nouveaux, je me présente. En fait, je vais laisser Stéphane se présenter en premier. Oui, bonjour. Moi, c'est Stéphane Labrie. Je suis conseiller pédagogique pour la région de la Côte-Nord, donc conseiller récit. Je suis aussi enseignant cette année, donc à 50 % en mathématiques et en sciences. Merci Stéphane. Moi, c'est Sylvain Manger. Je suis enseignant en formation à distance, maths sciences, à la CSS des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on va passer tout de suite au premier point. Puis, je vais passer la parole à ma collègue Marie-Ève pour vous présenter les webinaires. Alors, bonjour tout le monde. On prend quelques minutes de votre dîner pour commencer. Donc, Marie-Ève Sainte-Croix, je travaille au Récit FGA pour les centres de services scolaires francophones. Et on va vous présenter, on va prendre quelques minutes avec Cyril Rostom. Je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour, Cyril Rustom, je suis conseiller pédagogique à la commission scolaire de Laval et je travaille avec ma collègue Marie-Ève sur les fonctions tutorales et d'autres collègues aussi. Donc voilà, en fait, pour ceux qui étaient là lors de la dernière rencontre, qui était le 29 septembre, si je ne me trompe pas, donc la première rencontre de la communauté, on était venu présenter une petite vidéo qui expliquait rapidement les fonctions tutorales et nos engagements par rapport à ça. Rapidement, les fonctions tutorales, c'est une façon de réfléchir sur la formation à distance avec six angles de vue différents. J'élaborerai pas plus que ça, mais on a déjà un webinaire qui a été donné dans le cadre des après-cours FGA, qui était le 16 octobre dernier, et dans votre document de la communauté, vous avez le lien pour accéder à ce webinaire-là qui parle de deux des six fonctions tutorales. Donc, on avait fait accueil, orientation et relationnel. Donc, ça a été un premier webinaire. Vous pouvez aller voir l'enregistrement et découvrir ces deux angles de vue-là par rapport à la formation à distance. Pour toutes les autres informations en lien avec nos travaux, donc sur les fonctions tutorales, sur tous les ateliers qui vont être donnés au courant de l'année, sur les différents webinaires, on a remis également dans votre document de votre communauté le lien vers le site du Récit FGA et particulièrement le lien pour la section formation à distance. Et en fait, tous nos travaux se retrouvent là. Merci Stéphane pour l'avoir mis dans le clavardage. Vous allez retrouver notre vidéo de présentation de nos activités de l'année. Vous allez retrouver tous les liens vers les webinaires, vers les sites qui concernent les fonctions tutorales, vers des gabarits d'accompagnement, vers tous nos ateliers qu'on va donner également, puis les documents, la documentation qui est en lien avec ces ateliers. Là. Donc, c'est vraiment le point de référence si vous voulez trouver de l'information par rapport aux fonctions tutorales. Et en fait, aujourd'hui, on prend quelques minutes et je vais céder la parole à Cyril pour venir juste vous présenter ce qui s'en vient dans le prochain webinaire qui va avoir lieu le 4 décembre prochain. Et je te cède la parole, Cyril. C'est bon. Puis en même temps, justement, je vais en profiter pour partager le site, ce qu'on construit graduellement en fonction des webinaires qu'on présente aussi et qui regroupent un peu toute l'information autour de ces fonctions-là et des outils que graduellement aussi on apporte pour chacune des fonctions. Donc là, je suis rendu sur le site. Vous avez les liens et tout dans les liens qui vous ont déjà été fournis comme tel. Ici, depuis la dernière fois, comme Marie-Ève l'a dit, on a présenté la fonction accueil-orientation et la fonction relationnelle. Donc, si on s'en va dans la grille d'analyse ici, qui représente justement les six angles d'analyse, donc les six fonctions tutorales, vous verrez qu'en dessous de accueil-orientation, il y a un lien qui permet d'accéder aux détails de cette fonction tutorale-là, tandis que pour les autres, il y a les dates auxquelles le contenu sera disponible et ces dates correspondent au webinaire qui sera donné pour ces fonctions. Donc, le prochain webinaire, il traitera de la fonction organisationnelle et de la fonction pédagogique. La fonction organisationnelle, c'est une fonction qui touche beaucoup, on va dire, si on regarde les responsabilités clés, il y en a quatre: la définition d'une vision, constitution des offres de cours et de services et de leur structuration. Ici, on va s'intéresser beaucoup à la clientèle qu'on vise
à soutenir grâce à notre service de formation à distance. On veut s'assurer de remplir leurs besoins comme il faut. Donc, il faut la connaître, cette clientèle-là. Il y a aussi toute la définition, l'attribution et la gestion des ressources. Donc, ça touche, exemple, la façon dont on va organiser l'horaire de disponibilité des enseignants, leurs tâches, les attentes par rapport à la tâche de l'enseignant comme tel. Il y a aussi les modalités et outils d'encadrement du parcours d'apprentissage. Là, on s'intéresse à tous les délais, par exemple, les délais de réponse, les délais de rétroaction, toutes les modalités, finalement, qui entourent l'encadrement des élèves. Et bien entendu, un gros morceau aussi touche la formation des acteurs, puis l'amélioration continue du service. Parce que dans cette vision, avec ces six angles de vue avec lesquels on analyse un service de formation à distance, ben, il y a aussi le fait que ce n'est plus, on n'identifie plus juste l'enseignant ou juste la direction, on parle d'une équipe de formation à distance, et là, il y a une vision vraiment de comment on forme et on accompagne cette équipe qui va être responsable de fournir le service de formation à distance. Et dans cette équipe, il y a les enseignants, oui, les directions, oui, mais il y a aussi les secrétaires, les conseillers d'orientation, etc. Donc là, vraiment, on se penche sur comment accompagner cette équipe dans un processus de formation continue, puis aussi dans une approche collaborative. Donc là, il y a quelque chose vraiment de très, très important. Donc ça, c'est pour la fonction organisationnelle qu'on développera plus le 4 décembre prochain lors du webinaire. Et pour la fonction pédagogique, eh bien, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la fonction par excellence qui touche les enseignants, le rôle les responsabilités de l'enseignant à distance. Hein, on le voit, c'est écrit en dessous. Il y a quatre responsabilités clés. Il y a tout ce qui touche la première responsabilité, le choix, l'adaptation ou la création de matériel d'apprentissage. Cette responsabilité, c'est, veut dire, on utilise du matériel, il n'est pas forcément adapté à une utilisation en formation à distance, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'adapter, pour le rendre plus, je dirais, compatible avec les besoins qu'on rencontre en formation à distance, donc il y a cet aspect-là. Donc souvent, on va adapter, des fois, on va être obligé de créer, donc il y a un aspect de développement aussi qui est là-dedans. Puis dans un but, c'est de pouvoir motiver les élèves puis d'assurer leur autonomie. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là quand on touche à cette responsabilité. Les tâches et interventions pédagogiques visant la motivation et l'autonomie, eh bien, c'est on va dans je dirais les gestes qu'on va poser auprès des élèves et tout, essayer de garder un élément de choix qu'on va proposer aux élèves. Le choix, par exemple, de son horaire, une certaine dose, hein, donc une dose de choix au niveau de son horaire, au niveau de l'établissement de son échéancier, etc. Donc, au niveau des interventions qu'on va poser, on va essayer d'avoir un souci d'essayer de respecter un peu la situation de l'élève comme tel pour favoriser, encore une fois, sa motivation et son autonomie. Parallèlement à tout ça, ben, il faut documenter. Il faut pouvoir laisser des traces de sorte qu'on puisse accompagner de façon différenciée des élèves. Et donc, comment on documente ça? On documente ça de façon stratégique, mais comment, de quelle manière, avec quelle, qu'est-ce qu'on décide de noter, qu'est-ce qu'on décide de laisser de côté? Donc ça, il y a tout l'aspect de la documentation stratégique des interventions. Et finalement, le soutien au travail en équipe tutorale et au développement d'une didactique de la FAD, ben, c'est tout ce qui, je parlais de formation continue, ben c'est tout ce qui touche le perfectionnement ici. On peut parler d'améliorer nos pratiques, à savoir de nos pratiques de rétroaction, d'améliorer nos pratiques qui touchent plus, je dirais, mettons, l'accompagnement des élèves, la documentation stratégique, etc. Donc, comment réfléchir à ça en équipe et se soutenir en tant qu'équipe de formation à distance là-dedans. Donc, c'est vraiment ces deux fonctions tutorales-là qu'on va traiter lors du prochain webinaire. Mais d'ici là, comme je l'ai dit, vous pouvez déjà aller consulter le contenu de la fonction accueil et orientation ainsi que de la fonction relationnelle qui ont été traitées lors du webinaire précédent. Merci Cyril.
Je suis en train d'oublier, je suis tellement captivé quand Cyril parle, je suis en train d'oublier que c'est moi qui anime cette réunion-là, c'est drôle. Mais justement, en tout cas, je vais renchérir. Puis le but, on disait tantôt, là, on parlait, puis on disait qu'on avait un questionnaire au début, connaissez-vous les fonctions tutorales? Le but, c'est comme de partir au début de l'année, de dire, la plupart du monde vont dire non, je ne connais pas tellement ça, arriver à la fin de l'année. Ben oui, j'entends juste parler de ça, là, des fonctions tutorales, fait que... Au fur et à mesure de la tournée. Puis, même dans le cadre des après-cours, moi, le but, c'est que peut-être à la fin, là, quand tous les webinaires ont été faits, qu'on va peut-être en prendre un, là, d'un après-cours là, pour revenir là, faire une table de discussion là-dessus. Là. Puis, en tout cas, moi, je suis vendu, ça fait longtemps. Là, fait que j'espère qu'on réussit à vous vendre ça aussi. Merci. Oui. Puis pour les liens que Marie-Ève a parlé, c'est tout dans l'ordre du jour, ils sont ici. Vous pouvez les voir, les liens en bleu qui sont là. Je les ai mis dans le chat aussi, mais si après la rencontre, vous voulez les trouver, là, vous les retrouverez ici. Fait qu'on va passer à notre prochain point. C'était quoi déjà le prochain point? Oui. Échange sur les pratiques gagnantes, en fait. Bon, en premier, je voulais l'appeler échange sur les outils, mais en même temps, des fois, peut-être que je voulais aller un petit peu plus large que ça. Je sais que souvent, on est à la recherche d'outils, surtout présentement, d'outils spécifiquement techno, mais il y a peut-être aussi, là, maintenant, vu qu'on enseigne pour la plupart probablement différemment de ce qu'on faisait, il y en a peut-être qui ont des stratégies là, qui mettent en application présentement qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant, ou même des choses que vous faites depuis longtemps. Moi, j'ai quelques petites choses que je peux vous partager, mais je serais curieux là, de voir s'il y en a qui aimeraient intervenir, là, s'il y a quelqu'un. Je sais que c'est un point qu'on a déjà parlé avant, puis que souvent on revient, mais des fois c'est bon, même des choses qu'on a déjà mentionnées, c'est jamais mauvais de se le répéter, parce que des fois des outils qu'on entend parler, on les a jamais utilisés, puis tout d'un coup, ah c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Puis ce que je vais faire là, sur le document collaboratif, j'ai préparé un petit tableau déjà dans l'ordre du jour. Donc, c'est un tableau qui reste actif, là, qui va rester actif. Donc, je vais vous inviter à si vous venez des outils là, que plus tard là, que vous aimeriez rajouter ou partager, je vais vous inviter à les indiquer là-dedans. Fait qu'il y en a un déjà là. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'a inscrit. Évidemment, là, peut-être que vous le connaissez déjà, mais je vais le partager pareil pour ceux qui ne connaissent pas. Évidemment, moi, souvent, quand je parle d'outils, en général, c'est toujours une bonne idée. Souvent, il y a plusieurs... C'est tout le temps bon d'avoir une banque d'outils parce que... d'avoir des backups, finalement. Là. Moi, j'utilise souvent Werbee, mais tout d'un coup, hop, Werbee ne fonctionne pas pour un élève. On prend Zoom à la place, Fait que moi, je vous suggérerais toujours, en général, d'avoir plus qu'une façon de faire quelque chose pour être sûr. Puis souvent aussi, comme justement un exemple comme Loom. Essentiellement, Loom, ce que ça vous permet de faire, simplement des capsules de capture d'écran de votre écran d'ordinateur. Donc, moi, ce que ça me permet de faire souvent, là, c'est ça que j'ai à l'écran, là, c'est ça que j'ai déjà enregistré, mais ça me permet de faire des corrections des travaux des élèves, dans ce cas-là, des activités notées de SOFAD ou si c'est des pré-tests, et de leur faire un retour avec la voix sur leur copie pendant que je mets la copie à l'écran. Fait que ça n'a pas besoin, la correction n'a pas besoin d'être faite de façon en direct. On peut faire la correction avant, sauf que moi, je le fais souvent aussi en direct en utilisant... OneNote là, pour écrire sur l'écran, mais la plupart du temps, je vais faire la correction, ensuite le mettre à l'écran et expliquer. Ça peut, je m'en sers souvent pour faire des petites explications en capsule aux élèves. Ça fait pas, il y a plein d'autres façons là, qu'on peut faire ça. Là. On pourrait faire ça simplement en déposant la capsule sur YouTube ou tout ça, mais la beauté de Loom, c'est que c'est vraiment, vraiment facile. Tout ce que vous faites ici, bon. Malheureusement, c'est vrai que j'oublie toujours ça, là, je pense que c'est seulement en anglais, mais tout ce que vous faites, c'est que vous faites enregistrer, puis aussitôt que vous avez fini votre enregistrement à la fin, vous avez tout de suite une option de copier le lien. Vous copiez le lien, vous le mettez dans votre courriel, puis c'est essentiellement tout ce que vous avez à faire pour partager la capsule. Puis un autre petit
particularité qui est le fun aussi, c'est que si vous allez sur une capsule, par exemple, si une capsule 20 minutes avec une vue, ça vous permet quand même de voir si, étant donné que vous l'envoyez généralement juste à une personne, bien, de voir si l'élève l'a vu, au moins la capsule. Donc, c'est peut-être pas sans faille, parce que j'en ai des fois qui me disaient zéro puis que l'élève me disait qu'il l'avait vu. Donc, c'est peut-être pas un système parfait, mais... Je vais vous donner juste un petit truc. Si vous vous inscrivez, évidemment, c'est un site qui est gratuit. La version gratuite vous permet seulement de faire des capsules de 5 minutes, mais il y a une option de s'inscrire avec un compte éducatif. Tout ce que vous faites, c'est que vous le faites votre compte en prenant votre adresse de commission de centre de service. En tout cas, on le fait ici, deux personnes différentes, puis il n'y a pas eu de problème. Ça vous donne, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent un essai gratuit de 16 jours avec le compte professionnel, puis dans les 16 jours, il vérifie votre compte pédagogique et ça vous donne un accès professionnel qui permet de faire des capsules là, de durée limitée. Ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des petites questions là-dessus. Je sais que Marie-Noël qui parle d'Explain Everything, là, qui est un peu un équivalent, mais je sais qu'il l'a sur iPad, il l'a sur différents appareils. Là. Je ne sais pas si elle voulait nous en parler. Je ne sais pas si... Oui, j'imagine qu'elle peut nous en parler. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, de toute façon, Marie-Noël. Salut! Allô! Bonjour! Ben oui, je pense que je suis certaine que je vous ai déjà parlé d'Explain Everything. Je te répète déjà là-dessus l'année dernière. De ce que je comprends, Sylvain, ça semble être un équivalent de ta plateforme Loom que tu utilises. Là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui permettent de faire sensiblement les mêmes choses. Fait qu'elle aussi, elle est très conviviale. Ça coûte un petit peu de sous, mais je crois que c'est... On a acheté une licence pour l'ensemble des membres du personnel de notre centre de service ici. Puis, vu que, je ne sais pas dans les autres commissions scolaires comment ça fonctionne en formation générale, nous, les élèves qui sont en formation générale, ils sont automatiquement en enseignement hybride. C'est-à-dire qu'on a la moitié des élèves en classe, puis l'autre moitié qui est en Zoom à distance. Donc, ce qu'on faisait, ma collègue Geneviève et moi, avec nos élèves à distance, ça a beaucoup été utile maintenant aux enseignants de formation générale. Puis, on a eu la chance d'avoir des sous pour débloquer des équipements. Alors maintenant, tous les enseignants ont une tablette et un crayon Apple, très utile pour corriger efficacement sur la tablette. Puis, la plupart de mes collègues se sont mis à utiliser Explain, là, soit en réel, comme tu en parlais, Sylvain, ou en différé. Puis, ça fonctionne bien là, maintenant. C'est un outil dont je ne me passerai plus à distance. Et même en classe, maintenant, je fais un peu les deux, là, puis je l'utilise dans toutes ces circonstances-là. Pour que ça fonctionne bien. Merci, Marie-Noël. Puis c'est ça, hein, c'est normal. C'est sûr qu'en ligne, il y a plein d'outils qui peuvent faire plusieurs choses. Mais moi, je me dis tout le temps, c'est bon d'avoir des backups, justement, parce que des outils gratuits en ligne, ça peut disparaître à tout moment. Hein. Tout le monde est là en bout de ligne pour quand même... C'est quand même des business en dessous de ça. À un moment donné, c'est pas rentable... c'est pas dans la charité. D'ailleurs, une autre façon de faire ça aussi, là, je sais que j'ai des collègues, là, si vous êtes dans l'univers Teams, là, que par Office 365, je veux le dire, mais c'est pas éventuellement par Forms, mais Stream, que ça s'appelle. L'option Stream, ce qui permet de faire une capture en vidéo. Ce qui peut être intéressant, si, comme je disais, si vous êtes dans l'univers Microsoft, c'est qu'ensuite, avec Forms, ça vous permet même de mettre des questionnaires à l'intérieur de la capsule. Je ne l'ai pas fait, là, c'est mon conseiller pédagogique qui m'a parlé de ça, mais qui me dit que ça se permet, à l'intérieur de la capsule, de mettre un questionnaire où après ça, on peut recueillir les réponses. Donc, même si c'est en asynchrone avec l'élève, mais l'élève peut quand même faire une rétroaction sur ce qu'on vient de faire, fait que ça peut être intéressant aussi. Donc, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait nous présenter quelque chose? Oui, Marie-Noël. C'est avec quel outil que tu dis que tu peux intégrer des questionnaires à l'intérieur d'une capsule? C'est Stream, puis... Je l'ai écrit dans le chat. C'est les outils de Microsoft, là, Stream. C'est dans 365, par exemple, là, Office... Stream, c'est vraiment, ça ne fait pas partie de la suite de bureau, ça fait vraiment partie de la suite en ligne, le 365. Stream, puis ensuite Forms, essentiellement, c'est la plateforme pour faire des petits questionnaires, là, mais c'est justement, ça permet d'intégrer des questionnaires directement dans le Stream
pour. Faudrait que je le teste, là. Je pourrais le tester, là, demander à mon conseiller pédagogique, peut-être vous-même faire un petit essai, là, puis vous le présenter peut-être la prochaine fois, parce que d'ailleurs, il m'a parlé de ça cette semaine, puis là, ça m'intrigue, puis j'ai le goût de l'essayer, fait que je vais peut-être pouvoir vous revenir avec ça. Martin Hébert vient de partager là, justement une procédure dans le chat. Là. Vous irez voir. En fait, c'est Microsoft qui a fait une procédure pour ajouter des formulaires dans une vidéo. Donc, vous pourrez peut-être aller voir le lien qui a été ajouté. Donc, merci, Martin. Juste pour avoir la petite question, là, c'est ça, Form, c'est vraiment une des... si je partage mon écran 2 secondes, là, je suis dans mon univers, là, ça fait vraiment partie de la suite de ce Forms ici, là, c'est vraiment dans Office 365. Là. C'est vraiment pas. Je pense pas que Google devrait pouvoir s'intégrer à Office 365. Là. C'est vraiment l'équivalent de Google Forms, mais pour Microsoft. Je dis, il faut être dans l'univers. J'imagine qu'il doit quand même avoir moyen d'avoir un compte gratuit là, pour avoir des outils de base. Là. Je ne sais pas. Là, nous autres, on est déjà tous branchés sur ça. J'ai écrit dans le document collaboratif. Chez nous, on a instauré ça avec Karine, que je vois qui est branchée. Mais avec Karine Séguin, on a instauré ça chez nous depuis à peu près 2 ans maintenant. Les élèves prennent des photos avec un logiciel qui enregistre en PDF pour les faire enregistrer le PDF directement dans un répertoire partagé. Jusqu'à mars dernier, on utilisait Google Drive. Office 365 est disponible je pense qu'on l'a eu à partir de 2 semaines avant le confinement. Fait que donc, depuis mars, on utilise maintenant OneDrive. Dans OneDrive, quand les élèves l'installent sur leur téléphone, ils ont déjà accès à un utilitaire pour prendre des photos qui enregistrent en PDF. La beauté de la chose, c'est que dès qu'ils prennent leur photo du document, puis c'est des logiciels qui recadrent le document, donc le PDF apparaît dans le répertoire synchronisé du prof. Fait que dès que le prof le voit, il clique dessus, son application PDF Exchange Viewer va s'ouvrir. Dans le cas de Karine qui fait du français, bien, elle s'est créé des étiquettes qu'elle peut facilement coller avec sa souris là, pour dire c'est une faute d'accord, c'est une faute de conjugaison ou autre. Fait que donc, et puis dès qu'elle enregistre, bien, l'élève a sa correction annotée disponible dans le répertoire qu'on partage avec lui. Puis évidemment, bien, présentement, je sais que souvent, on va faire du partage d'écran pour que l'élève voit au fur et à mesure ses annotations. On est en train de l'utiliser avec certains profs en mathématiques aussi. Si vous avez déjà utilisé PDF Exchange Viewer pour les annotations, il y a vraiment une panoplie d'outils formidables. Puis, bien, c'est toutes des solutions qui sont gratuites. Fait que c'est intéressant. Bien, on va se dire avec OneDrive, c'est gratuit dans la mesure où vous avez Office 365, mais sinon, avec Google Drive, on le faisait. Et en tout cas, je ne sais pas si Karine a voulu ajouter quelque chose, mais on en parlait dernièrement, à quel point ça a accéléré sa façon d'annoter les travaux des élèves. Puis si on se disait dernièrement, ça nous prend quelque chose de cet ordre-là, parce que, encore une fois, la majorité de nos élèves travaillent dans des manuels papier. Fait que ça nous prend des photos de leurs documents si on veut pouvoir annoter leur travail. Ils ne travaillent pas encore à l'écran. Fait que pour l'instant, c'est le chemin qu'on a choisi. Intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être même un petit avantage qu'on a présentement. Moi, en tout cas, je trouve que les élèves ont développé en général beaucoup d'habiletés là, avec les technologies là, pour envoyer des documents, sont rendus pas mal meilleurs. Mais ça, c'est intéressant. De toute façon, ce que tu dis là, Martin, essentiellement, ça veut dire que les élèves, il n'y a pas besoin de transférer, d'envoyer des fichiers par courriel ou quoi que ce soit. C'est intéressant. Oui, effectivement. Présentement, c'est ça, cette année, les élèves prennent leur photo avec OneDrive. Ils vont dans le répertoire qui est partagé avec le prof, prennent la photo, puis le PDF est là à peu près 10 secondes. Sinon, ben, avant, ce qu'on faisait, on utilisait un logiciel Genius Scan qu'on pouvait synchroniser avec Google Drive. Avec l'élève qui avait un compte Google Drive configurait son logiciel. Puis dès qu'il prenait sa photo, il faisait enregistrer dans mon compte Google Drive, ça s'en allait tout de suite au bon endroit pour le prof. Fait, effectivement, c'est très, très instantané. Pour préparer nos élèves à un éventuel confinement cette année, on l'a utilisé souvent dans les classes. Il y a des profs chez nous qui vont dire à leur élève, bien, lève-toi pas de ta place, prends une photo avec ton téléphone, puis je vais te l'annoter sans que tu te lèves pour se pratiquer. Fait que c'est très rapide et très efficace. Mm-hmm. Ça me donne le goût de l'essayer, même. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a intéressé. Là. Si j'ai bien compris, il y a possibilité de mettre comme des étiquettes. La notion d'étiquette qui se remplissent automatiquement, de ce que j'ai compris. Un exemple, une faute de grammaire,
Bon, je disais qu'effectivement, dans Exchange Viewer, il y a la possibilité de prendre un PNG ou un JPEG, puis d'en faire une étiquette. On a juste à cliquer directement à l'endroit. Fait qu'effectivement, c'est comme ça que les enseignants corrigent les travaux de français plus rapidement. Ça fait quelques semaines que ça me trotte dans la tête qu'on devrait, avec Karine, préparer une petite capsule pour pouvoir la présenter aux gens, parce que je pense vraiment que c'est une façon efficace de travailler. Puis en tout cas, à date, nos élèves, en général, trouvent ça assez facile, puis nos enseignants aussi. Fait que ça vaudrait peut-être la peine, effectivement, qu'on prépare quelque chose pour vous le présenter éventuellement. De toute façon, c'est un petit peu, excuse Stéphane, de toute façon, c'est un petit peu le but de l'échange, hein, parce qu'on là, on développe un petit peu toutes des façons là, improvisées de chacun de notre côté avec des outils différents. Fait que des fois, c'est intéressant de voir. Fait que souvent, quand on présente un outil, moi, je me sers de Loom. Je ne prétends pas que Loom est meilleur que n'importe quel outil que vous pourriez amener. C'est juste que moi, par défaut, je suis arrivé sur celui-là, je le trouve intéressant, mais c'est forcément intéressant d'avoir d'autres façons. Premièrement, on n'est pas tous sur les mêmes plateformes non plus. Il y en a qui semblent avoir des beaux iPads, donc avoir un petit peu plus de budget que nous autres. Donc, Oui, effectivement. on ne parlera pas de personne, mais c'est sûr que d'avoir des stylés d'Apple, c'est le fun. Mais non, effectivement, je l'ai dit dans plusieurs endroits quand je parlais à des gens, je suis surpris de voir à quel point on travaille chacun de notre côté, alors que s'il y a une année où on devrait partager nos bons coups, c'est cette année, mais... J'ai vu aussi que Karine vous a partagé la vidéo qu'elle a préparée pour les élèves qui leur explique comment prendre une photo de leurs travaux puis le déposer dans le bon endroit. Fait que vous pourriez aller voir déjà cette capsule-là, puis ça vous donnerait une idée. OK, il est dans le chat. Oui, non, elle en a mis deux. En fait, elle en a mis un pour Android aussi. J'ai vu qu'aussi il y a Dani qui serait intéressé certainement par la capsule. Moi aussi, c'est certain que j'aurais des enseignants en français qui seraient sûrement intéressés. Là, ça semble assez efficace comme technique. Donc, si vous le faites, ce serait très apprécié, c'est sûr. De toute façon, Martin, essentiellement, l'an dernier, l'atelier que je voulais faire à la QFGA, c'était un peu ça, des outils simples et tout ça. Ça reste peut-être encore le plan cette année. Ça pourrait être aussi un endroit là, pour faire là, ramasser tous ces outils-là aussi. Définitivement, il faudrait qu'on profite de ce moment-là où on se réunit ensemble pour partager ces bons coups-là. Mais j'en profitais pour faire une plug pour la QFGA en même temps. Tellement apprécié, Sylvain. C'est Marie-Noël qui a une question justement qui s'adresse à Martin. Donc, est-ce que la plateforme sur laquelle les élèves déposent leurs documents est accessible à plusieurs enseignants? Donc, elle dit que c'est un grand défi de s'arrimer à plusieurs profs pour un même élève à distance. Effectivement, ce qu'on a choisi de faire, c'est de créer des... En fait, pour les élèves de formation à distance, on est en train de... Bon, non, c'est pas on est en train, on a fait... On a créé un partage qui est accessible à tous les enseignants de la formation à distance, dans lequel il y a un répertoire pour chacun des élèves où l'élève est autorisé à écrire et lire. Donc, n'importe quel enseignant de la FAD peut intervenir avec un élève en allant tout simplement dans son répertoire, puis... pour ouvrir le dernier document en date. Avec OneDrive, présentement, ce qui se passe, c'est que quand la personne dépose son document, bien, le titre du document contient la date et l'heure. Fait qu'on sait que c'est lui qui vient d'être pris en photo. Fait que c'est facile de prendre le dernier. Fait que oui, c'est des partages qui sont accessibles à tous les enseignants de la formation à distance. Il n'y a pas, plusieurs partages. Donc, c'est à l'admission dorénavant que les dossiers vont être créés avec les droits de partage. Donc, c'est quelqu'un à l'admission qui va s'occuper de créer le répertoire. Les enseignants n'ont pas besoin d'y penser. Dès qu'on a un nouvel élève inscrit, il devrait y avoir un partage dans lequel il peut déposer ses travaux. Puis, Karine Nessessa est en train de travailler sur les vidéos qu'elle vous a partagées pour que les élèves puissent voir comment déposer leurs travaux. Fait qu'effectivement, c'est partagé par tous les enseignants. Sinon, il y avait Geneviève qui nous parlait aussi de Cam Scanner pour... Donc, envoyer des devoirs donc pour scanner les travaux. Donc, je ne sais pas si elle voulait ajouter quelque chose, mais il y avait cet outil-là que si vous voulez explorer, qui nous était présenté aussi. Oui, c'est intéressant parce que c'est sûr que je sais que souvent c'est difficile, là, les élèves, oui, de prendre des photos avec le téléphone, mais essentiellement de montrer des façons en bout de ligne, de les envoyer en PDF parce que recevoir 10-15 photos dans un courriel, c'est pas toujours. J'imagine que tout le monde a eu un peu cette expérience-là à un moment ou l'autre. Là. Bien, avec tous les outils qu'on vient de parler, c'est peut-être moins pertinent, mais en fait, ça, c'en est un. Je me sers
personnellement, pas souvent. C'est plus un collègue qui me l'a. Ça s'appelle WeTransfer.com. Je pourrais l'écrire dans le chat. Mais essentiellement, WeTransfer, c'est simplement une façon de contourner les limites de grosseur de fichiers envoyés en courriel. Ça serait surtout peut-être utile, les élèves, un élève qui veut, je sais que notre prof de français ici va demander, tu sais, par exemple, la pratique de l'oral, de recevoir ça en vidéo, puis souvent les élèves arrivent devant un maximum de fichiers là, qu'ils peuvent inclure avec leur courriel. Donc, évidemment, ce que Martin parlait, évidemment, si les élèves vont les déposer directement dans une plateforme, bien, il n'y a justement pas d'envoi à faire. Donc, c'est clair que ça contourne ce problème-là. Essentiellement, tout ce que vous faites ici, c'est que vous allez choisir votre fichier, choisir l'adresse courriel à la personne que vous allez l'envoyer. Puis, essentiellement, je crois qu'ensuite, le fichier va rester 16 jours disponible pour la personne qui le reçoit. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de limite sur la grosseur de fichier, donc ça permet d'envoyer un fichier plus gros qu'un courriel pour quelqu'un là, qui a une limite de courriel sur ses envois, une limite de grosseur sur ses envois. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé ici, je ne sais pas. Moi, je l'ai déjà utilisé, ça fonctionne bien. Là. C'est simple, tu mets ton fichier, tu mets l'adresse de la personne reçoit un lien. Tu peux même, ils vont te donner à toi aussi le lien si tu veux l'envoyer à d'autres personnes par après. Puis oui, là, ça dure peut-être 7 jours, je pense, c'est le bon nombre, mais je pourrais pas. Oui, bien, je le voyais tantôt là, sur la page, c'est écrit 7 jours là, dans le chat. Là, mais... Oui, on a Geneviève là, qui mentionnait que la pratique d'exposé oraux, c'était un problème étant donné la grosseur des vidéos. Donc, ça peut être une bonne solution, le WeTransfer, effectivement. Donc, elle dit que ça fonctionne vraiment très bien et il ne semble pas y avoir de limite. C'est Catherine qui mentionnait ça pour WeTransfer. Dani mentionne qu'il y a 3 destinataires, mais généralement, si c'est pour se servir avec des élèves, généralement, c'est rare. Mais effectivement, ça peut arriver. Là, si on veut utiliser ça avec un groupe, effectivement, là, 3 destinataires sera un problème. Là. Je pense que l'enseignant, généralement... Étant donné que nous autres, généralement, on a des comptes, il n'y a pas de problème de limite là, de données. Je pense que c'est plus souvent les élèves qui avaient des problèmes à nous envoyer des fichiers parce qu'ils étaient trop gros pour leur courriel, pour envoyer en courriel. Fait que je pense que ça fait le tour de ce point-là. Est-ce que je vois, est-ce qu'il y a d'autres, je vais laisser une couple de secondes là, s'il y en a qui ont d'autres interventions. Ça peut être des stratégies aussi. On avait dit donc vos pratiques gagnantes, si vous avez des choses à partager. N'hésitez pas. Ça, tant qu'à moi, je le vois un petit peu comme un point ouvert. Là. Je pense qu'on va peut-être le laisser en quelque part dans l'ordre du jour pour les réunions à venir parce qu'on découvre tout le temps des nouvelles choses. Fait que c'est tout le temps intéressant de rajouter à ça. Puis je vous invite là, d'ici la prochaine réunion, là, le tableau. Moi, je vais aller en rajouter une couple après la réunion, là, mais ça peut. Le but, c'est d'avoir un endroit là, de référence où on peut voir un petit peu la liste de ce qui a été proposé. Parfait. Fait que je vais passer au point suivant. On avait ciblé état de la situation du service FAD en temps de pandémie. Bon, la raison que je voulais mettre ce point-là, c'est que j'étais curieux de voir un peu. Là, je sais qu'encore là, on revient souvent, forcément, là, tout est en évolution, il y a tellement de changements d'un mois à l'autre que c'est presque des points qui reviennent. On en avait parlé un petit peu à la dernière réunion. Moi, je suis curieux de voir un peu ce qui se passe ailleurs là, en termes des élèves, là, des étudiants. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'ici, là, on est complètement débordés. Là. Il y a tellement d'élèves qui, normalement, devraient être en formation au régulier puis qui demandent de venir s'inscrire à distance. Puis je ne suis pas tout le temps sûr qu'on leur donne vraiment des informations, pas des informations, mais qu'ils comprennent vraiment que le service n'est pas du tout le même en formation à distance, à l'opposé d'avoir un enseignant en classe, même si c'est seulement une journée sur deux. Donc, j'étais curieux là, de voir si les effets là, sur le service de FAD normal en temps de pandémie, est-ce que ça diminue votre service? Est-ce que ça a des effets ou ça ne change rien? Là? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses à partager là, par rapport à ça. Mais en tout cas, je serais curieux de voir un peu ailleurs là, comment ça se passe.
Il y en a quelques-uns qui ont répondu dans le chat. Donc, Marie-Noël qui spécifie que nous ne sommes pas débordés, mais on a plus d'élèves. Donc, leur service est fourni encore à la demande. Karine qui parle qu'ici, donc, au centre de service de la Rivière-du-Nord, c'est la même situation que Sylvain. Sinon, nous, de notre côté, je peux. Chantal qui est à l'écran chez vous, c'est-tu un peu la même situation que vous vivez? Mais à Chibougamau, ça va bien. Oui, il y a des élèves qui sont, bon, il y en a qui sont confinés, pas le choix, mais ça va bien. Puis, il y a eu une augmentation des élèves comme à Lebel, à Matagami et même à Chibougamau, des élèves qui préfèrent être à distance. Mais ça déborde pas. Tout va bien, puis on travaille avec Team. Je pense qu'on est assez efficace, là. Puis plus en soirée aussi. Ouais, il y a des cours de soir maintenant. Moi, je suis là deux soirs semaine. Alexis, en mathématiques, un soir semaine. OK, tu Fait veux que ça dire va de bien, puis ils soir sont en à formation à distance. distance, c'est ça? À distance, oui. OK, parce qu'avant, vous aviez pas de formation à distance le soir? Non, pas vraiment. Ouais. Puis c'est ça, moi je suis ici, puis ça marche bien pour les élèves à Matagami, Lebel, j'en ai trois, fait que il y en a d'autres qui vont se rajouter, fait que c'est bien parfait, puis ça arrange aussi les élèves qui sont sur le CLE pour aller chercher le maximum d'heures. Voilà. Vous avez, dans la mesure, vous avez des élèves de CLE qui sont en formation à distance? Oui, comme tu sais, Lebel, c'est 3 heures de route, Matagami, 4 heures et demie. Fait qu'à distance, c'est parfait pour eux, là. Okay. Puis est-ce que ça vous met des contraintes en tant qu'enseignant, les élèves de CLE? Est-ce que vous avez comme Non. à faire des rapports ou peu importe, là? Non. Non? Ben, moi, c'est une inquiétude que j'avais ici là, quand je dis à un moment donné, ça va venir, mais je ne veux pas commencer à avoir à faire des rapports administratifs aux agents du club. Non, il n'y a pas de rapport. Pas encore. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que je me posais la question. Ah, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ben, c'est ça, moi aussi, mon intervention par rapport à ça, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui, comme tu disais, qui font le choix de dire ah, ben là, je vais aller m'inscrire à distance, mais qu'en réalité, ce n'est pas du tout un service qui est approprié pour eux, surtout que présentement, on a tellement d'élèves qu'on ne peut pas offrir le même service que d'habitude. Là, on a de la misère à fournir. Fait que c'est Mais pas sûr que ces c'est élèves-là sont nécessairement bien servis. mais nous, c'est petit, là. C'est des petits centres. Ça fait que moi, je suis assez disponible. OK. Et qui ont un bon service, Bon, me ben, semble. je vais dire au mien qui te contacte d'abord. je vois Catherine, si Oui. tu veux intervenir, Catherine. Oui, donc moi, je suis du centre de service des Samars. Puis depuis le début de l'année, là, déjà, les conseillères d'orientation nous ont fait remarquer dès le début de l'année là, qu'il y avait à tous les jours au moins une dizaine d'élèves qui transféraient de la classe vers la FAD. Puis on avait déjà des beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves par enseignant. Donc, il y avait dans le fond 3 enseignants en FAD, anglais, français, maths. Puis évidemment, ils font les autres petites tâches à côté. Aucun de ces enseignants-là était à temps plein. Donc, ils se sont retrouvés rapidement avec plus de 200 élèves à gérer. Donc, là, on a fait beaucoup de pression, puis aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, là, mais là, c'est ça, récemment, vendredi, on a eu la nouvelle qui nous ajoutait une dizaine d'heures, là, en français, en mathématiques, en anglais, il y a un petit peu moins, mais en fait, ils ont, je pense, 120 élèves. Fait que c'est moins. Ils se sont dit que ça c'était gérable par une prof, pas à temps plein. Mais c'est ça, donc ils nous ont ajouté une dizaine d'heures, donc des enseignants qui n'avaient pas des tâches pleines, on a complété leurs tâches, qui vont venir donner un coup de main là, aux enseignantes qui étaient aux enseignantes principales en FAD. Donc ça va donner un gros coup de main. Ils ont aussi débloqué du budget pour des outils informatiques, donc ils devraient avoir des tablettes, puis je pense pas que ça va être des Apple Pencil, là, mais des stylets là, pour pouvoir faire les corrections de façon électronique. Ils ont aussi décidé de changer la façon d'accueillir les élèves, de faire des regroupements, parce que là, ce qui se passait dans le fond, c'est que chez nous, c'était comme à l'administration, les élèves, quand ils s'inscrivaient, on leur donnait une plage horaire où ils allaient rencontrer leurs enseignants. Donc là, ce qui se passait, c'est que les enseignants passaient, par exemple, sur un 15 heures, bien, ils passaient 10 ou 12 heures à faire de l'accueil d'élèves.
Donc, quand on a fait que de la... Parce que là, on avait beaucoup, beaucoup de nouveaux effectifs. Donc, quand on passe tout ce temps-là là, à faire de l'accueil d'élèves, bien, tout ce qui est suivi, correction, etc., ça ne se passe pas. Donc là, ils ont mis en place vraiment une nouvelle façon de fonctionner pour accueillir les élèves, puis de les regrouper, donc de pouvoir tous les accueillir en même temps. Et lors de cet accueil-là, bien, on va aider les élèves à se connecter sur le OneDrive, à se connecter sur le Teams, puis sur Outlook. Donc, qui soit déjà comme opérationnel là, quand ils vont se retrouver. Puis là, c'est sûr que dans le contexte de confinement aussi, on avait déjà commencé à mettre en place d'autres choses pour nos élèves qui étaient à distance, mais pas officiellement à distance. On a monté un petit site Internet, déposé beaucoup de capsules de fonctionnement, comme installer les applications sur les téléphones cellulaires, comment fonctionner avec Teams, avec OneDrive, etc. Donc, on travaille très fort à essayer de faire quelque chose, mais tu sais, c'est ça, c'était une question de survie de nos pauvres enseignantes là, qui étaient déjà à bout de souffle rendues au mois d'octobre. Donc, on est très heureux là, de ce qui se passe là. Puis, on espère que ça va porter fruit, là, toutes ces nouveautés-là. Là, ça va être juste... De s'approprier. Là, comme là, moi, je prenais beaucoup de notes sur les outils qui sont utilisés, les CAM scanners, les Explain Everything aussi, que j'avais déjà entendu parler. Mais là, je sais que dans le fond, c'est des nouveaux outils que les enseignantes vont avoir à utiliser. Donc là, ça va être aussi une appropriation quand même de tout ça. Donc, beaucoup de travail encore à venir, mais il y a quand même des belles choses là, qui arrivent présentement. La seule chose, c'est ça aussi. Là, j'imagine que vous autres, vous êtes un petit peu comme nous autres. Il n'y a pas officiellement, il n'y a pas de limite au nombre d'inscriptions en FAD. Il n'y a pas de chiffre, c'est ça. Nous autres, ça a toujours été balancé relativement. Mais là, comme il n'y a pas de limite, hein, cette année, ça rentre. Je sais qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait aussi une erreur de calcul parce que l'année passée, ils ont comme prolongé... Le temps, habituellement, les élèves ils ont 6 mois pour faire les cycles, mais là, en période de confinement, ils ont comme prolongé tous les élèves. Puis là, ils se sont retrouvés, quand ils ont fait leur calcul, à ne pas constater la hausse de clientèle qu'il y avait. Donc, dans les chiffres, c'est comme s'il y avait à peu près le même nombre d'élèves qui était quand même élevé, mais qui était gérable avant. Puis là, finalement, ils sont allés voir le nombre de cahiers qui ont été achetés et il y a eu un 40% d'augmentation de clientèle. Donc là, ils ont comme fait, ouais, OK, là, il y a des limites quand même à ce qu'on peut demander à ces enseignants-là. Mais tu sais, moi, je sais que c'était beaucoup ce que je leur disais. Là. On peut bien dire qu'il n'y a pas de limite parce que vous n'avez pas de limite physique pour mettre des élèves dans un local. Mais si on veut donner du service à un élève, l'élève, dans le fond, il paye son service, il a droit à avoir du service. Bien, un enseignant avec 200 élèves à suivre, c'est impossible de faire le service. Mais... C'est ça. Hein, Martin, Marcel, à toi, on travaille tout le temps, tout, chacun dans le coin. Puis ce que tu dis, là, je pourrais presque dire la même chose. Ça ressemble tellement à ce qu'on vit ici que je dirais que c'est comique. Là, c'est plus tragique un peu là, présentement, là, mais c'est quand même. Puis je suis sûr qu'on n'est pas juste deux endroits isolés. Non, c'est sûr. Je ne sais pas si Geneviève veut partager, mais dans le chat, elle mentionne qu'eux, ils ont des ratios par matière. Donc, c'est écrit, on a des ratios par matière, donc aucun changement sur notre excellent service qu'on offre à nos élèves à distance cette année. Je sais pas avec si des Geneviève... crayons iPad en plus. c'est parce que tantôt, Marie-Nette, je ne veux pas te contredire, mais tu n'as pas mentionné que vous aviez un petit peu plus d'élèves. C'est parce qu'il y a eu des ressources d'enseignants supplémentaires pour ça? Nous autres, on conserve nos ratios. Dans le fond, on a des ratios qui sont déjà établis. Fait que peu importe qu'ils rentrent beaucoup d'élèves ou non, moi, je travaille 80 % du temps, j'ai 80 % de tâches, donc c'est 80 élèves mon ratio. En français, bien en mathématiques, c'est 100 élèves le ratio. Donc, quand on atteint notre ratio, bien, on a notre pourcentage de tâches, on a une marge de manœuvre là, pour de plus, de moins, mais on tourne autour de ça. Fait que peu importe qu'ils rentrent plus d'élèves, il y a juste plus de profs qui vont travailler à ce moment-là. Puis on a un beau service d'accueil personnalisé. Ça, c'est vraiment génial. C'est qu'ils rencontrent la conseillère en orientation qui leur fait prendre un rendez-vous Calendly avec nous directement.
Donc, quand ils rentrent, ils ont un rendez-vous, soit en personne, soit au téléphone, mais personnalisé. On fait l'accueil comme il faut. On peut le faire installer sur leur téléphone, le cam scanner. Moi, je fonctionne avec Classroom, fait que je leur donne le code. Ça, ils peuvent tous être fonctionnels. Ça prend à peu près une demi-heure par élève. Mais après ça, ils sont vraiment partis. Puis ensuite, ils doivent nous donner régulièrement des nouvelles aux deux semaines. Fait que ça roule très bien chez nous. C'est génial. Puis pourquoi vous êtes capable de faire ça? C'est ça. Moi, en tout cas, je sais, je m'en rappelle de ça parce que je le donne toujours en exemple à ma direction. J'ai dit à des endroits, là, je me rappelais du 100. Bien là, Marie-Noël avait mentionné 100 probablement parce qu'elle est à 100 % là, mais elle me rappelle qu'elle avait mentionné 100 élèves. Mon ratio est à 100 aussi, mais je suis à 80 %. Ah, OK. C'est ça. Ben, je me rappelais de ce chiffre-là dans le temps. Puis je pense que Catherine fait un peu la même chose. Parce que quand on essaie de faire nos accueils, nous autres, avec le nombre d'élèves qu'on a, bien, c'est ça, c'est le fun de pouvoir faire un accueil. C'est même, tant qu'à moi, c'est essentiel même, parce que souvent avant, on envoyait les élèves venir acheter leurs livres, puis s'ils ne contactaient pas le prof, il n'y avait rien qui se passait. Mais pour pouvoir faire ça, il faut quand même qu'on ne peut pas le faire avec 200 élèves. Là. Moi, c'est ça, c'est un peu que, même chez nous, moi, c'est un peu comme Catherine. Là, il rentre à peu près 10 élèves, 10, 20, même plus que 10, une vingtaine par semaine. Déjà au nombre de 300 qu'on a. Fait qu'on fait de l'accueil, on fait de l'accueil. Puis à un moment donné, quand il arrive des temps de faire de l'enseignement, on n'a presque plus de temps pour ça. Bien, comme c'est là, Marie-Noël et moi, on entend nos pourcentages. Donc, les élèves rentrent à la graine. Là. Au début septembre, on était dans le jus, mais là, on stabilise. Fait qu'on a le temps pratiquement toujours du suivi. Retour à l'élève, rappel. Moi, on rappelle nos élèves à peu près individuellement aux deux semaines pour relancer, pour avoir du mouvement. Fait que je vous dirais que cette année, on trouve que les élèves produisent tellement bien, tellement rapidement. C'est plus confortable. On a vraiment un service de qualité. Je pense qu'on commence à être reconnus pour ce service. Non, mais ça, j'aime ça quand tu me dis ça. Puis ça, c'est ça qu'il faut faire valider. Là, tu me dis, ben oui, vous avez moins d'élèves inscrits. Fait que peut-être que côté argent, ça veut dire moins d'argent par prof pour le centre. Mais c'est quoi le résultat de ça, bien, vous avez probablement plus de réussite que nous autres, on en a parce que les élèves sont... Plus de cahiers qui s'achètent. Les cahiers, c'est ça qui fait qu'on fait de l'argent. Fait que si on a un suivi plus serré, nos élèves produisent plus, donc on achète plus de cahiers. Je pense qu'on revient pas mal à la même chose, mais on est sur la qualité du service plus que le service à l'élève. Bien, Cyril était là tantôt, puis il mentionne souvent, c'est souvent qu'au niveau des directions, on s'attend que la réussite, ça va venir par accident. Là. Non, c'est non. Réussite. Non, il faut que le prof soit là à distance. On passe notre temps depuis plusieurs années de dire toujours la présence à distance. Mais pour avoir de la présence à distance, il faut avoir du temps, il faut y relancer. Voilà. C'est ce qu'on essaie de faire. Tu prêches aux paroisiens, là, comme on dirait. Ouais. Ah, bien, Geneviève a un peu expliqué là, ce que j'avais en tête parce que je pense que c'est Catherine qui parlait du fait que les accueils avaient été, c'était trop, fait que vous les faisiez en batch de plusieurs élèves. C'est vrai, nous autres aussi, au début de l'année, on a eu vraiment beaucoup d'accueils, fait que ça prenait, même si on a des ratios qui sont, je dirais, bien équilibrés, en début d'année, là, ça débordait, là, fait qu'on travaillait significativement plus que nos pourcentages de tâches. Cependant, dans le courant de l'année, ça vient qu'à s'équilibrer un peu, là, puis la direction est ouverte à créer des ajustements sur nos tâches. Peut-être que l'an prochain, on va avoir un fonctionnement qui va nous permettre de nous dégager un peu plus de tâches pour le premier mois. C'est vraiment là, août, septembre, là, qui a été là, un peu rochant au niveau des accueils. Mais on trouve que c'est important de faire des accueils individuels parce que les élèves, ils nous le rendent tellement après, puis au niveau du lien, là, c'est tout à fait gagnant. Il y a une chose à laquelle j'ai pensé quand tu disais, Sylvain, c'est quoi l'impact de la pandémie sur notre service à distance? J'espère qu'on n'en reviendra pas là, mais il y a une chose qui m'a beaucoup agacée là, quand les écoles ont fermé l'année dernière, comparativement à ce qui se produisait au secteur jeune. Moi, ça m'a fâché un peu de voir qu'au secteur jeune, les élèves ont pu être évalués à distance, peu importe leur niveau, puis que ce n'était pas le cas pour l'éducation des adultes. Puis ça a été la même situation pour les élèves qui étaient en classe. Là. Fait que ça nous a déplu. Puis en tout cas, je crains un petit peu ce qui pourrait arriver en cas de fermeture à nouveau. Bien, Martin a l'air d'avoir quelque chose à rajouter, hein, je vais voir. oui, mais en fait, effectivement, c'est exactement ça. Si c'est ministériel, on n'a aucune option, on n'a pas le droit de déroger, de modifier une virgule.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, même à un moment donné, on avait des examens qui avaient des erreurs dedans. On n'avait pas le droit de les corriger. Parce qu'on n'a pas encore. On en a encore. Exactement. Clairement, pour l'instant, au niveau du ministère, il n'y a pas d'ouverture à ce qu'on aille vers de l'évaluation à distance. Mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs instances qui travaillent à essayer de faire modifier ça. Mais pour l'instant, c'est en train de non recevoir. C'est un sujet qu'on peut à peine aborder avec les gens du ministère. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y en a qui ont... je pense qu'on va laisser tomber l'autre point. De toute façon, remplacement, ça faisait un petit peu partie de l'état de la situation. Parce que je sais que Catherine, tantôt, je t'entendais dire que vous aviez trouvé les enseignants. C'est un des problèmes qu'on a. Le cibler, ce n'est pas une question de budget. C'est simplement qu'il n'y en a pas d'enseignants. Puis, de ressources qu'on aurait peut-être disponibles pour venir appuyer à FAB, mais elles sont utilisées pour faire des remplacer dans les classes en présence à la place. Donc... Mais je vais garder ce point-là parce que je sais que c'est, en tout cas, chez nous, c'est une problématique, remplacement, libération en FAD. Moi, je vais vous laisser réfléchir à ça, peut-être revenir sur ça à la prochaine réunion. Mais je sais qu'ici, c'est presque une impossibilité parce que le domaine de la FAD appartient aux profs qui font la FAD, puis personne d'autre est capable de faire ça. Puis on a laissé aussi un point là, qu'on a mis à l'ordre du jour. Le but, c'est suggestion de termes pour les rencontres futures. On va le laisser là. Moi, c'est sûr qu'avant de faire l'ordre du jour de la prochaine réunion, là, je vais aller consulter ça. Fait que je vous invite, là, si vous avez des idées, là, de choses que vous aimeriez qu'on discute, c'est certain, allez le mettre ici. Là. Moi, je vais le consulter, c'est sûr, avant de faire le prochain ordre du jour. Puis possiblement, là, que remplacement, là, libération, on va ramener ça. Là, à un prochain ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui auraient des... On nous reste une petite minute. Est-ce que quelqu'un a un dernier commentaire? C'est rare qu'on arrive en dedans du temps. Je suis presque... J'en dirais qu'il faut que je me sens obligé de compléter la minute. Donc, si ça fait... Geneviève, y avait-tu quelque chose? Parce que ta caméra est arrivée en même temps. Oui, ben, je trouve ça vraiment intéressant, le prochain point, parce que quand je travaillais avec Hélène Savard, tout ça, on se questionnait beaucoup à savoir si on est malade. Tu sais, notre tâche, nous, elle fait toujours qu'augmenter pendant qu'on n'est pas là. Quand on a une pédago, des réunions, tout ça, tu sais, c'est vraiment une préoccupation qui est encore là cette année, puis qu'on réfléchit avec notre direction à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour accommoder les professeurs en enseignement à distance. Que je ferai, c'est ouais, même aussi, là, je pensais qu'on aurait eu le temps d'y toucher, mais là, c'est moi aussi qui a pris peut-être parler trop longtemps là, avec mes outils tantôt. Mais ce que je vais faire, c'est que je le bumperai, là, on le gardera pour la prochaine réunion, puis on va le bumper en haut parce que c'est sûr si on embarque là-dedans. On finira pas à 13h, ça c'est sûr et certain. Mais je suis content, au moins ça me met la puce à l'oreille que c'est. Je pense que la problématique est un petit peu partout aussi. Hein. Ben, en fait, quand on se parle, on a presque toutes les mêmes problématiques, c'est pas compliqué. Fait que. Raison de plus pour se regrouper. Fait que je vais vous inviter pour la prochaine réunion, puis faites passer le message. Vous allez dans, chez nous autres, on a une journée pédagogique là, prochainement de toute la région, puis on a des petits regroupements de FAD, essayez de les inviter à venir se joindre. Plus on est, plus on se partage de choses, mieux on va être. Je vais répéter comme Martin disait, il n'y a pas de raison qu'on est obligé de travailler tout seul, tout dans nos petits coins, puis souvent on répète des essais de choses qui ont déjà été faites ailleurs. Fait que je vais vous remercier d'avoir participé, c'était intéressant. Je vais vous inviter à la prochaine, je vais aussi vous relancer l'invitation pour le webinaire.